Aujourd'hui, c'est l'aboutissement d'un stage de formation. C'est le principe de la maison. Comment collaborer avec les hommes de théâtre à l'international. Et on a eu la chance d'entrer en rapport avec Arne via Madame Barque et l'Institut Goethe. Et elle nous a permis de rencontrer aussi Hemke, qui a travaillé une semaine avec nous sur le plan dramaturgique. Et après 3 semaines de travail sur un texte d'un Allemand, Schiller, on a décidé de faire une restitution aujourd'hui. La vraie vie, elle commence où et pour qui elle s'adresse quand tu dis la vraie vie, dès le début? Vous n'êtes pas au courant. Quoi? Rola. Quoi, Rola? On a pendu Rola avec 4 gars. Rola? Oui. Ce n'est pas capable. Quand? Qui t'a dit ça? On l'a attrapé, ça fait plus de 3 semaines. On a traité son cas 3 fois. Mais nous, on n'était pas au courant. Alors, parce que aussi c'est beau de voir des choses en profil. En profil, oui. Mais c'est là, moi je dois savoir que vous ne m'oubliez pas. Oui, les gars sont costauds. Quel gars? On avait un cafouille de chorégraphie qui s'est passé. Quand tu reviens avec la... Si tu parles de tes reclus, il faut vraiment les avoir à l'œil. Chaque fois, tu as fait de la bonne trouvaille. Dans le jeu. Les gars, si on ne sait pas, on est foutu. Là, c'est mauvais. Je vais les utiliser, capitaine. Nous sommes seulement derrière toi. Avons-nous assez de munitions? Même pour faire sauter la tête jusqu'à la lune. Ça suffit jusqu'à la reste. Bon, les gars. Quoi? Les gars. Quoi? Chacun 5 pistolets. C'est devant. Thierry, tu commences la pyramide. Tu peux le vraiment construire ici, je pense. Et vous vous mettez comme ça, c'est pas de problème. Thierry, tu as vu. Et peut-être aussi le bébé au feu. Même si ça se passe là, c'est, si seulement moi je sais. Bon, je suis dans le demi-cercle de bébé là, mais il y a des spectateurs derrière moi, je l'ouvre un peu. Hein. Ouais! En passant de tout pied, j'ai quitté. Je vois sur la table un petit bébé. Les gars! Ouais! J'ai ramassé les bêtises et j'ai jeté en feu! Ouais! Le soleil est machin truc. C'est comme ça lors que les grandes jambes balaisent, comme quand le soleil se couche. Voilà comme ça que j'ai toujours voulu mourir. Donc moi, avec quand même des ambitions. C'est pour que tu comprennes mieux la vie. Là, tu es fou, vrai. Les gars, ça c'est important. Attendez, écoutez. Pélagie, oui. Parce que tu as changé de sortie pour les spectateurs là. Moi, je veux proposer que tu restes ici et quand il finit, tous les autres entrent. Ah, oui. Ouais, c'est bon. Super. Oui, vous entrez et parce que comme ça, on lance la discussion. Je n'ai plus de père. Nana Edith. Bekibe. On espère, on va se battre pour les sous et les soutiens et tout ça. Mais on veut revenir pour continuer ce travail et présenter la pièce encore plusieurs fois. Au Yaoundé, au Cameroun, et peut-être d'un jour aussi ailleurs, en Allemagne. Mais là, on a dit déjà aux comédiens que si on va en Allemagne, la pièce sera présentée par les 2 comédiens très fameux, très connus, Martin Ambara
et Arne Bohlmeier. Pas de soucis pour les visas et tout ça, nous on part.